L'ethnopolitique. La classification des races. Nos analyses antérieures montrent combien il est inutile d'essayer d'établir une classification des races sur la base d'hypothèses d'origine spécifique que l'état actuel de l'anthropologie ne permet ni d'affirmer ni de nier. Étant donné que la race se crée, il nous importe moins de savoir s'il existait au début de l'humanité un ou plusieurs groupes ethniques que de préciser empiriquement la distinction présente des communautés raciales. Puisqu'il n'est pas possible à notre échelle d'observation et d'action de constater ni de produire le passage d'un individu ou d'un ensemble humain d'une grande race à une autre, il nous est indifférent que les grandes races aient existé depuis l'origine ou soit le résultat d'une différenciation préhistorique sur laquelle on ne puisse pas revenir. Mais parler de grandes races, c'est déjà établir une classification entre les ensembles humains, c'est-à-dire constater l'existence d'amples communautés raciales, dont chacune possède certains caractères physiques, biologiques et psychiques. Qui se manifeste également dans une certaine mesure dans les ensembles internes plus différenciés. On admet aujourd'hui unanimement qu'il y a trois grandes races que nous appelons, faute d'une terminologie plus exacte, blanches, jaunes et noires. Dénomination peu satisfaisante puisque la couleur n'est que l'un des caractères distinctifs reconnus, bien que le plus visible. Et que son choix peut gêner l'ethnologue en son essai de classifier d'autres ensembles métisses ou marginaux. Les grandes races sont, d'une manière générale, parfaitement délimitées, de même que les races en lesquelles elles se divisent. Qu'il s'agisse de produits d'une différenciation par le milieu ou par le métissage, ce que nous ne pouvons pas toujours affirmer avec pleine certitude. Il n'est pas besoin d'être un spécialiste pour distinguer 100 Japonais de 100 Mongols ou 100 Chinois du Nord de 100 Guaranis, ni pour définir les races correspondantes comme des ensembles différenciés de la grande race jaune. On pourra de même distinguer sans grande difficulté au sein de la grande race blanche la race sémite ou au sein de la grande race noire la race pygmée. À ce niveau, cependant, la délimitation devient déjà moins précise et laisse des résidus non classifiés ou de classification discutable. Par exemple, l'ensemble des Blancs européens, ni sémites ni chamites, constituent-ils une ou plusieurs races Les réponses sont contradictoires et pour deux raisons. Premièrement, les méthodes erronées de classification fondées sur des caractères instables tels que la taille ou la forme du crâne. Deuxièmement, l'obstination historiciste de ceux qui veulent à tout prix s'appuyer sur l'origine des races considérées et oublient que les ensembles ethniques sont le produit d'un double processus de différenciation et de fusion, avec prédominance selon l'époque de l'une ou de l'autre de ces tendances évolutives. Peut-être les blancs européens ont-ils constitué autrefois plusieurs races bien distinctes, mais leur état de fusion est tel aujourd'hui qu'ils n'en constituent presque plus <coughs> qu'une seule dans laquelle on distingue déjà les races en formation qui correspondent aux communautés géographiques et politiques. du point de vue historique il est sans doute erroné de qualifier d'ariens tous les européens mais c'est exact dans l'ensemble du point de vue ethnique que soit ou non bien choisi la, la dénomination et bien que nous ne puissions pas toujours en préciser dans la quelle mesure il ne reste pas sous les différenciations actuelles Traces de groupes raciaux qui existaient avant leur fusion relative. On oublie souvent ce mouvement constant et divers lorsque l'on essaie d'établir une carte des races, alors qu'il est facile de délimiter, malgré les innombrables métissages, le territoire des grandes races, de même que celui d'ensembles nettement différenciés par hybridation entre grandes races. Les malais, par exemple, la tâche devient délicate lorsqu'il s'agit des races, parce que Certaines d'entre elles sont une fluctuation continuelle. En Europe, les vieilles délimitations entre les races nordiques, alpines et méditerranéennes n'ont pas encore perdu tout leur sens. Mais elles tendent à être déplacées par les nouvelles races nationales. Par ailleurs, moins différenciées en raison de l'intercommunication croissante des communautés et de l'uniformisation des conditions de vie c'est dire que s'il est vrai que la race quand ses caractères distinctifs sont dominants et peu variables est aussi stable que la grande race et ne se modifie essentiellement que par métissage il est fondamentalement instable lorsque ses caractères sont sensibles à l'action du milieu ou sujets à mutation il existe donc des races essentiellement différenciées dont les caractères distinctifs acquis ne peuvent, plus être, ne peuvent plus être modifiés que par métissage. Et des races accidentellement différenciées dont les caractères distinctifs acquis sont encore susceptibles de modification par les milieux. Le creuset. Cette dernière observation est fort importante car elle permet d'établir ce que nous pourrions appeler le degré de parenté des races, c'est-à-dire la relative facilité de leur fusion éventuelle en un tout homogène, ainsi que de préciser le concept de métissage. Si, en effet, s'unissent deux individus ou deux ensembles appartenant à des races accidentellement différenciées, leur descendance possédera les caractères communs aux deux races. Tandis que les caractères Distinctifs occidentaux seront atténués et, avec le temps, effacés par le milieu. Tel est le cas particulièrement clair des familles royales d'Europe. Le tsar Nicolas II et le roi Alphonse XIII avaient dans les veilles du sang de toutes les races anciennes du vieux continent. Ils manifestaient cependant les caractères ethniques des Russes et des Espagnols, respectivement. C'est-à-dire de nouvelles races en formation. Au contraire, l'alliance des races essentiellement différenciées donne des hybrides, exactement comme celles de grandes races. C'est-à-dire qu'un nouvel ensemble ne naîtra d'elle que par homogénéisation endogamique. Nous avons maintenant l'explication du phénomène du creuset tel qu'il se produit aux états unis où des éléments procédant de toutes les races européennes sont déjà arrivés. En très peu de temps et malgré une immigration presque continuelle, un degré d'homogénéité relative qui fait de leur population un nouvel ensemble ethnique dont les caractères particuliers sont nettement perceptibles. Au contraire, les juifs qui habitent l'Europe depuis plus de 2000 ans ont conservé, parce qu'ils appartiennent à une race essentiellement différenciée au sein de la grande race blanche, des caractères spéciaux qui les distinguent des populations ariennes. D'où il résulte que l'on peut classifier les communautés sociales du point de vue ethnique en deux catégories. Celles qui sont racialement homogènes, qu'elles proviennent d'un tronc unique, d'un mélanger de races accidentellement différenciées, ou d'un métissage complet. Et celles qui sont racialement hétérogènes parce que l'unification d'éléments constitutifs appartenant à des races essentiellement différenciées n'est pas encore terminée. Il en résulte également que l'unité ethnique d'un pays d'immigration dépend du degré de parenté des races qui composent sa population et du temps écoulé depuis leur mise en contact. L'inégalité des races. Le degré d'homogénéité ethnique des sociétés humaines ne constitue pas le seul facteur de classification dont doivent tenir compte la biopolitique. Il lui faut aussi prendre en considération la valeur relative des races en présence. Il est étrange que ce problème ait été et soit encore l'objet de discussions aussi vives et que l'on s'obstine à en fausser. Les données par des interprétations théologico-métaphysiques. D'ailleurs, pour le moins discutable, qui n'ont aucune raison d'être dans un domaine dans lequel seule doit valoir l'observation objective. Les races sont inégales comme les individus, quelle qu'en soit la raison, insuffisance originelle ou évolution postérieure mal dirigée. Le fait est que certains ensembles ethniques se montrent aujourd'hui incapables de créer une civilisation voire d'assimiler celles qu'on leur fournit. Pourront-ils le faire dans l'avenir Nous l'ignorons. Et même dans ce cas, leur infériorité actuelle n'en subsisterait pas moins. L'enfant n'est pas l'égal de l'adulte, et moins encore lorsqu'il s'agit d'un enfant arriéré notons par ailleurs que certaines races que l'on appelle primitives sont en réalité dégénérées sans que le niveau de leur époque la plus brillante ne soit jamais élevé bien haut mais à quoi bon insister personne ne met en doute les faits la grande race noire n'a produit ni science ni littérature ni philosophie ni théologie son art ne peut pas se comparer à ceux de l'europe de l'asie et de l'amérique son organisation politique est restée rudimentaire personne ne discute non plus le fait que les blancs, partout où ils sont apparus, aient constitué un puissant facteur d'ordre et de progrès. Alors, les races défenseurs de l'égalité des races exploitent des cas individuels qui ne signifient absolument rien. Quel tel chef de tribu africain montre plus d'intelligence qu'un paysan moyen d'Europe et une plus haute valeur morale qu'un criminel chinois et que le nègre américain carver ait été un grand chimiste voire si l'on veut un bienfaiteur de l'humanité tout cela implique simplement que les ensembles ethniques ne sont pas globalement superposés dans l'échelle des valeurs et que le premier des nègres ne vient pas après le dernier des jaunes ou des blancs. mais lorsque nous considérons une race c'est la communauté qu'elle représente qui nous intéresse avec son élite et avec ses imbéciles. mais en tant qu'ensemble organique et non pas comme, son comme somme d'individus. N'allons pas croire cependant que la comparaison entre ensemble ethnique soit toujours facile à faire, ni que son résultat soit toujours indiscutable. Le, le, concept, de supériorité est 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 le concept de supériorité est essentiellement relatif à l'échelle de valeurs que l'on accepte ou que l'on crée. Si l'on décide que la résistance à la chaleur est un critérium plus important que l'intelligence, on devra admettre la supériorité de la grande race noire sur les autres et en particulier sur la blanche. Nous frisons ici le paradoxe. La difficulté, bien que certaine, ne se présente que dans des cas limites. Quand on voit, au contraire, tout au long de l'histoire, les grandes races blanches et jaunes, et surtout la première, dominer partout où elle passe, créer des empires, des cultures et des techniques. Il n'est pas facile de leur refuser la suprématie d'ensemble, même si leur supériorité peut être discutée sur tel ou tel point en particulier. D'autre part, une divergence de jugement sur la valeur relative de tel ou tel ensemble ethnique ne contredirait absolument pas le fait de l'inégalité des races. La seule qui nous occupe ici. Race et communauté Sauf quelques rares allusions, nous n'avons considéré jusqu'à maintenant que les ensembles ethniques, homogènes ou non. Ce qui était indispensable pour pouvoir jeter les bases théoriques de notre étude. Mais dans la réalité de l'histoire passée et présente, ensemble ethnique et communauté politique, ne se confondent que très exceptionnellement. Ou bien une race comprend plusieurs communautés, ou bien une communauté possède en son sein des éléments ethniques divers. Étant donné que la société politique doit évidemment constituer le cadre de la biopolitique, même si nos conclusions nous obligent à juger défectueux le tracé de ces frontières, il nous faut maintenant la considérer du point de vue ethnique. Soit par conséquent une communauté politique organiquement composée de groupes de base politiques, économiques, religieux, etc., fédérés en forme de pyramide, si cet ensemble est racialement homogène, ou si du moins il est constitué d'éléments ethniques accidentellement différenciés, en voie d'unification, comme c'est le cas des nations de l'Europe occidentale. Et sauf l'importante minorité juive et l'infime minorité indienne de l'Argentine, sa valeur dépend sans discussion possible de la masse héréditaire commune. Nous ne voulons pas dire par là que les facteurs géophysiques, géopolitiques, institutionnels, économiques, religieux, culturels, linguistiques, etc. ne constituent que des structures déterminées ou des superstructures illusoires et que seule la race donne à la communauté les conditions de son être politique mais simplement que ces facteurs voient leur efficacité sinon leur existence même subordonnée aux possibilités ethniques sur l'ensemble la race est donc la substractum modifiable dans la mesure que nous avons précisé de la vie de la communauté. Une espèce de matière première qui n'est malléable que dans certaines limites et dont nul État communautaire ou État conquérant ne peut faire abstraction sous peine d'échec. Et cet échec sera sanctionné par une infériorité politique relative qui provoquera, avec le temps, la dégénérescence biologique la dégénérescence biologique de l'ensemble considéré. Nous trouvons étrange que l'homme moyen comprenne sans difficulté que le climat n'a qu'une valeur relative à la race et que, par exemple, celui de l'équateur, excellent pour les nègres, produit au contraire sur les blancs un effet débilitant, mais s'obstine trop souvent à considérer comme absolu la valeur de tel ou tel régime institutionnel. Il est vrai qu'il existe des lois politiques générales qui s'appliquent à toutes les sociétés humaines, précisément parce qu'elles sont humaines et reposent sur un fond commun. Mais chaque race possède des caractères propres qui exigent, pour se manifester dans toutes leurs forces, un ordre particulier. Les communautés polyethniques. Le paragraphe antérieur ne vaut que pour les sociétés politiques de races homogènes. Or, il arrive que, par le jeu de circonstances historiques diverses, une communauté comprenne des individus et des groupes appartenant à plusieurs grandes races ou ensembles ethniques, essentiellement différenciés. Parfois, les races en présence sont indiscutablement inégales. Comme lorsqu'il s'agit de blancs et de nègres, par exemple. Parfois, elles ne sont que différentes ou inégales par rapport à une échelle de valeurs sujette à discussion. La valeur d'une telle communauté polyethnique dépend évidemment des éléments raciaux qui la composent. Mais est-il exact de dire, comme dans le cas d'une communauté ethniquement homogène, qu'elle procède de sa masse héréditaire non, car entrent en jeu non pas une, mais plusieurs masses héréditaires différentes et souvent inégales qui agissent par leur présence, mais aussi par leurs relations. Ainsi, les nègres des États-Unis diminuent-ils en raison des problèmes que suscite leur existence La valeur politique de la communauté dont ils font partie, alors que les nègres de l'Angola fournissent à cette province portugaise une main-d'œuvre sans laquelle elle ne pourrait même pas subsister. Pourquoi une telle différence Tout simplement parce que dans le premier cas les institutions ne répondent pas à la réalité, les lois fédérales américaines ne tiennent compte ni de l'existence ni moins encore de l'inégalité de fait de deux ensembles ethniques associés. Elles ont été élaborées par les blancs et on les applique telles quelles aux nègres, ce qui constitue un non-sens dont procèdent toutes les difficultés que l'on sait. La présence dans une même communauté politique de races inégales n'est pas en soi, loin de là, un facteur d'infériorité. Il est vrai qu'une nation unitaire, du point de vue ethnique, possède, outre sa valeur essentielle, une particulière efficacité dans l'action comme dans la résistance. Mais ce n'est que l'efficacité de ce qu'elle est. Il serait stupide de l'acquérir par métissage aux dépens de l'être de la race dominante. Une communauté polyethnique hiérarchisée possède en effet la valeur de son composant supérieur augmenté des possibilités de l'inférieur. Tandis que la fusion établirait l'unité à un niveau intermédiaire entre les deux races originelles. Elle créerait en outre, pendant plusieurs générations, un état d'hétérogénéité préjudicielle. Notons par exemple qu'unité ethnique et unité politique ne se confondent pas. La cohésion politique de la communauté dépend de l'organisation sociale et du pouvoir de l'État, dont dépend la synthèse des forces en jeu. Lorsque les ensembles ethniques inférieurs sont maintenus à la place qui correspond à leur valeur fonctionnelle au sein de la société dont ils font partie. Non seulement ils n'en menacent pas l'unité, mais ils contribuent au contraire à l'affirmer puisqu'ils représentent des forces utiles du faisceau communautaire. Le problème ethnopolitique des relations entre races ne s'oppose qu'à partir du moment où un ou plusieurs éléments constitutifs échappent à l'ordre social et tendent à occuper une place qui ne correspond ni à leur valeur intrinsèques ni à leur rôle organique, c'est-à-dire refusent de remplir leurs propres fonctions au sein de la communauté. La spécialisation raciale dans une société organique. Les libéraux, qui prêchent et bien souvent imposent l'égalité politique des races, oublient que s'il est vrai que certains droits sont inhérents à la nature même de l'homme et d'autres, à la valeur individuelle, les droits proprement politiques correspondent non seulement à des devoirs, ce qui constitue l'aspect moral du problème, mais surtout à une fonction sociale. Or, les fonctions, au sein d'une communauté, quelque peu développée qu'elle soit, sont inégales en importance et exigent de ceux qui les remplissent des capacités inégales. N'est-il pas logique et possible de concevoir une communauté polyethnique dans laquelle certaines fonctions seraient organiquement réservé à tel ou tel ensemble racial qui témoignerait de particulières aptitudes à leur endroit. La race inférieure ou simplement inassimilable trouverait ainsi sa place dans la société politique et jouirait des droits correspondants. Et seulement de ceci. Il ne manque pas d'exemple historique d'une semblable organisation. Le plus connu est sans doute celui des États-Unis avant la guerre de sécession. Les nègres remplissaient des fonctions subalternes déterminées. Ils possédaient en contrepartie le droit d'être nourris, logés et vêtus, même dans leur vieillesse. D'être soignés en cas de maladie et toujours d'être protégés. Utiles à la communauté dont ils faisaient partie, nul ne pensait à les en exclure ni à les haïr lorsque la victoire du nord libéral eut supprimé cette spécialisation raciale et brisé l'ordre fonctionnel polyethnique les nègres n'acquirent pas bien entendu les capacités dont l'absence les avait fait placer au plus bas niveau de l'échelle sociale sauf quelques rares exceptions individuelles ils continuèrent à être manœuvres et domestiques et ils le sont toujours 100 ans après. Ils ont donc conservé les fonctions auxquelles ils étaient prédisposés. Mais ils ont perdu les droits correspondants. Les nègres prolétaires ne connaissent ni les ascendances sociales, ni la retraite, ni la stabilité de l'emploi. On leur a reconnu, ça oui, les mêmes droits politiques qu'aux blancs, dont ils se sont alors crus les égaux. Ils sont ainsi devenus un danger. Pour une communauté dans laquelle il n'apparaissait plus comme nécessaire. D'où les réactions, souvent brutales, dont ils souffrent les effets. De même qu'une race de cellules qui perd sa fonction organique, les nègres des États-Unis sont devenus un vrai cancer social. Il est aussi vain de le leur reprocher que de s'indigner. Il ne s'agit pas de culpabilité ni de bons sentiments, mais d'un état de fait ethnopolitique dont nous connaissons les causes et auxquelles il faut porter remède, si c'est encore possible, par une restructuration de la communauté. L'esclavage. <coughs> Pendant des siècles, l'esclavage a résolu le problème ou, plus exactement, a empêché qu'il ne s'opposât. Par une coercition effective ou théorique, les nègres étaient attachés aux familles blanches dont il devenait partie intégrante dans une position subordonnée la société esclavagiste n'était donc pas constituée de deux ensembles raciaux juxtaposés mais d'une multitude de cellules familiales biethniques le système n'était certes pas parfait loin de là et de nombreuses réformes s'imposaient mais il convient de juger l'esclavage du point de vue politique c'est-à-dire en fonction de son but la vie commune en harmonie de deux races ou davantage dans une même communauté. Il n'y a aucun doute que le système maintint entre blancs et nègres des relations organiques fonctionnelles conformes à la valeur relative des groupes ethniques en contact, bien que pas toujours à celle des individus qui les composaient. L'esclave était incorporé à la société. On ne le traitait ni en paria ni en ennemi. Il bénéficiait généralement, compte tenu. Du niveau de vie de l'époque, d'une position supérieure à celle du prolétaire qu'il est aujourd'hui. Le maître était protégé, non seulement contre les conséquences d'une éventuelle lutte des races, mais encore et surtout contre le possible oubli de sa supériorité ethnique. Le système esclavagiste complétait en effet l'inégalité de fait des races par une inégalité de droit. Le blanc pouvait s'approcher de trop près d'une négresse. Le petit mulâtre, quelle que fût la couleur de sa peau, ne franchissait pas la barrière ethnico-sociale. Le métis améliorait donc la race inférieure sans jamais contaminer la supérieure. Quoi qu'il en soit, et qu'on l'approuve ou non, l'esclavage appartient au passé et il n'est pas possible d'y revenir. Ne serait-ce que pour la simple raison que la famille semi-patriarcale qu'il suppose n'existe plus, à peu près nulle part. Nous devons tout au moins tirer la leçon de l'expérience. La communauté polyethnique n'est satisfaisante que lorsque l'ensemble inférieur est incorporé d'une manière organique à l'ensemble supérieur, sans jamais pouvoir menacer l'intégrité raciale de ce dernier. La ségrégation. A défaut d'une véritable solution qui réponde à la loi biopolitique que nous venons dénoncer. Il ne reste que le recours aux palliatifs de défense. Simple palliatif, en effet, la ségrégation que nous voyons appliquée avec plus ou moins de succès par les communautés polyethniques contemporaines qui n'acceptent pas l'idée de leur décadence pour cause de métissage. On cherche à séparer les races qui habitent le même territoire et à éviter, dans une certaine mesure, un contact que l'on n'a pas su ou pas voulu. Organisée, c'est-à-dire à atténuer un mal que la société se reconnaît impuissante à supprimer. Parfois, la limitation des rapports est le simple fait de la coutume. Parfois, elle s'appuie sur des textes législatifs. Nous constatons qu'elle est relâchée à New York et stricte en Afrique du Sud. Mais elle se montre toujours insuffisante. D'abord, parce qu'elle est peu sincère. Le blanc veut s'éloigner les nègres de sa famille, de son quartier ou de son wagon, mais pas de son usine, parce qu'il constitue une main-d'œuvre bon marché pour certains travaux. Ou encore, on les utilise comme chair à canon. Parfois, l'hypocrisie libérale fait proclamer, sur le plan légal, une égalité que l'on nie en fait. Mais même si la ségrégation était absolue, si la race inférieure ou inassimilable était pourvu d'un statut. Si le mariage interracial était interdit et si l'accouplement de même nature était considéré comme un crime, tout cela serait loin de constituer une solution satisfaisante. La, ségr... la ségrégation forme en effet des blocs raciaux qui, rapidement, en raison de la différence de conditions de vie, deviennent antagoniques. L'esclave noir n'était pas ni ne se sentait solidaire de l'ensemble de sa race, mais de la famille dont il faisait partie et dont il partageait le sort, en droit en fait. Le prolétaire noir est et se sent, au contraire, uni à ses frères de race par une condition commune et un isolement partagé. Un esclave noir maltraité maudissait son mauvais maître. Un prolétaire noir humilié proclame la lutte des races. Il n'y a que deux solutions valables l'apartheid géographique ou l'intégration des éléments ethniquement inférieurs à une société organique en leur donnant la possibilité de développer au maximum leur potentialité. Possibilité qu'ils ne possèdent pas dans la société égalitaire qui met en relief leur infériorité au lieu de la compenser par un ordre social hiérarchisé. Dialectique des races dans une communauté polyethnique. Il existe donc, au sein de toute communauté polyethnique, un double mouvement dialectique. D'une part, et sauf dans le cas d'une société organique parfaitement établie, la communauté raciale inférieure ou inassimilable, maintenue sous tutelle, proteste contre son État, s'oppose au groupe dominant et lutte pour sa libération, voire même pour la suprématie politique. Mais, d'autre part, les deux communautés tendent à se fondre par métissage. ce dernier processus a deux motifs l'attraction sexuelle et le désir des inférieurs de se rapprocher de leur maître. le premier de ces phénomènes est bien connu on lui doit la majeure partie des métis. le second exige quelques explications. on a constaté aux états unis que les métis se mariaient entre eux et que les nègres se mariaient de préférence avec des métis aussi clairs que possible. il se produit donc au sein de l'ensemble une sélection qui agit en faveur de la reproduction de métis de plus en plus proches du type blanc. On en arrive ainsi de plus en plus fréquemment à la naissance de nègres blancs, c'est-à-dire d'individus métis qui ont l'apparence de blancs, d'où le phénomène du passing, grâce auquel ces métisses, en changeant de lieu de résidence, arrivent à se faire passer pour blancs se marient au sein de la population blanche et introduisent ainsi chez elles des gènes mélaniens. Le passing n'est évidemment possible que par manque d'une discrimination ethnique égale. Mais il existe, et les États-Unis sont en voie de négrification, le mélange complet donnerait une nouvelle race qui ferait montre pour, probablement de qualités d'imagination que ne possède pas la population blanche actuelle. Mais l'énergie et le pouvoir de création qui caractérisent les peuples ariens disparaîtraient irré irrémédiablement. Notons d'ailleurs que ce processus de métissage est très lent, surtout aux États-Unis où la conscience de race est très développée, mais que la prolificité des nègres supérieure à celle des blancs fait augmenter constamment le pourcentage des Africains dans la société américaine. Si on ne prend pas les mesures ethnopolitiques indispensables, on peut prévoir le jour non seulement où une importante fraction des blancs ou soi-disant tels aura du sang mélanien, mais encore où les mulâtres domineront numériquement la population blanche, comme c'est déjà le cas au Brésil. Dialectique des races dans le monde. La prolificité des races inférieures et la stérilité relative des races supérieures sont des faits qui ne se produisent pas seulement au sein des communautés polyethniques, mais dans le monde entier. Les rares avertissements qui, au cours de la première moitié du siècle, mirent l'Europe en garde contre le péril jaune firent sourire. Il n'a pas fallu bien longtemps pour que la réalité se manifestât d'une manière évidente. Les nations blanches ne sont déjà même plus sur la défensive. Elles reculent. Elles ont perdu presque tous leur empire coloniaux. Un de ces jours, les Blancs seront repoussés sur leur propre sol par les peuples inférieurs en qualité mais supérieurs en nombre. Les Européens ont réveillé les jaunes de leur sommeil millénaire. Ils ont empêché les Nègres de s'entretuer et ils les ont obligés à produire de plus en plus d'aliments. En apportant l'hygiène et la médecine aux peuples inférieurs, ils ont multiplié leurs adversaires d'aujourd'hui et de demain. Et ils ont ainsi rompu l'équilibre ethnique de notre planète. Ce sont des Blancs qui ont suscité et continuent à susciter, comme d'autres Blancs, les insurrections coloniales. Mais tout cela ne serait pas très grave si les Aryens... Avaient conservé leur qualité ancestrale. La guerre entre nations blanches serait remplacée par la guerre entre le monde blanc et le monde de couleur. Malheureusement, il ne semble guère qu'il en soit ainsi. La dégénérescence de la grande race blanche est déjà si profonde et, juif à part, son mépris des lois les plus élémentaires de la biopolitique, si général, que l'on est en droit de se demander s'il est encore temps de réagir. Génopolitique. Biopsychologie et ordre social. Considérons maintenant une communauté de races homogènes ou en processus d'homogénéisation suffisamment avancée pour qu'il ne soit pas nécessaire de tenir compte, en son sein, de groupes ethniques différenciés. Si nous l'examinons du point de vue sociologique, elle nous apparaîtra comme un ensemble de groupes et d'associations entrelacés et hiérarchisés qui remplissent des fonctions diverses et il nous sera possible d'en tracer le schéma organique. Pour nous ainsi nous faire une idée complète de la société en question, non, car celle-ci est formée en dernière instance d'individus répartis entre les groupes dont ils constituent la matière première humaine. Ces individus sont différents et inégaux en raison des caractères biologiques et psychiques qu'ils possèdent. Leur différence et leur inégalité se répercutent nécessairement sur les groupes sociaux dont ils font partie. Le sociologue et à plus forte raison le spécialiste en sciences politiques ne peuvent donc pas ignorer la biopsychologie, c'est-à-dire la discipline qui étudie l'homme dans son unité et dans son intégralité. Non pas l'homme abstrait que Maistre disait n'avoir jamais rencontré nulle part, mais l'homme réel avec ses caractères généraux et aussi avec ses particularités. La race n'est donc que l'une des données du problème biopolitique. Si nous l'éliminons de nos analyses futures parce qu'elle est commune à tout l'ensemble social considéré, il nous reste à établir les rapports qui existent ou devraient exister entre les groupes sociaux et la nature biopsychique des êtres qui les composent. Étant donné que ces groupes sont essentiellement fonctionnels, notre recherche tendra logiquement à établir leur spécialisation organique sur la base de la différenciation biopsychique des individus. Telle est la tâche de la génopolitique. La spécialisation sociale biopsychique. Bien que de nos jours on n'en accepte pas facilement les conséquences, le principe de la spécialisation sociale biopsychique est appliqué dans toutes les sociétés existantes. Aucune communauté ne peut méconnaître les différences d'âge de ses membres. Partout, L'adolescence est réservée à l'étude, la maturité au travail et la vieillesse au repos. Pensons un instant à l'absurdité d'un renversement de cet ordre. L'âge est l'un des facteurs essentiels de la différenciation biopsychique. L'enfant n'a ni les mêmes possibilités physiques, ni les mêmes dispositions psychiques que l'homme fait, ni l'homme fait que le vieillard. D'une manière plus générale, la division du travail dans toute société organisée se fonde, dans une certaine mesure, sur la capacité particulière des individus. On ne choisit pas les professeurs en fonction de leurs muscles, ni les débardeurs en raison de leur sens esthétique. L'ordre social tient donc nécessairement compte des dispositions individuelles, ou mieux encore, repose sur elles. Et nul ne les met en doute cependant on proteste fréquemment contre l'inégalité fonctionnelle des sexes qui est pour le moins aussi manifeste. la fonction de reproduction est essentielle pour la communauté et qui sans elle disparaîtrait en quelques décennies. or elle ne, peut pas, elle ne peut être remplie que grâce à la différenciation des rôles biologiques de l'homme et de la femme laquelle implique une différenciation sociale. C'est la mère qui porte l'enfant dans son sein, puis lui donne la tétée. Elle n'est donc pas disponible pour un travail de production régulier, et il est naturel que le foyer reste à sa charge. Par ailleurs, la conformation corporelle et les qualités psychiques qui lui sont liées ne sont pas plus identiques chez la femme et chez l'homme que chez la vache et chez le taureau. Si on nous pardonne la comparaison, nul ne penserait à envoyer des vaches se battre aux arènes. Pourquoi, dans ces conditions, attribuer aux femmes les mêmes fonctions sociales qu'aux hommes Les femmes ne sont faites ni pour combattre, ni pour commander, ni pour créer. On a remarqué fort justement dans le domaine artistique qu'aucune femme n'a jamais été un grand compositeur, bien que le sexe féminin ait eu, à peu d'exceptions près, l'exclusivité de la culture musicale. Il nous faut cependant exprimer la même réserve qu'en ce qui concerne les ensembles ratios. Il existe des femmes supérieures à bien des hommes du point de vue de l'énergie combative, du don de commandement et du pouvoir de création. Cela ne contredit nullement la différenciation fonctionnelle qui correspond à leur sexe. La famille. Cette spécialisation s'affirme surtout dans la famille, groupe biopsychique théoriquement complet, produit de l'union de l'homme et de la femme. La famille est un groupe fonctionnel, caractérisé. Elle a pour rôle primordial la procréation et l'éducation des enfants. Nous savons par nos analyses du chapitre 1 que l'être humain reçoit de ses parents la totalité de sa dotation héréditaire. C'est donc un héritier, non seulement en ce qu'il acquiert après sa naissance, mais encore et surtout en ce qu'il est. Or, des millions d'éducateurs dans le monde se dédient à orienter l'enfant entre, entre ses potentialités bonnes et mauvaises. Mais personne, ou presque personne, ne se préoccupe de la sélection des parents dont procèdent ces possibilités. Ou bien la sélection que l'on pratique se fonde sur des considérations économiques qui n'ont pas grand-chose à voir surtout dans la société moderne avec les réalités biopsychiques. L'histoire récente a cependant connu diverses formes de sélection valable dont la tradition se perpétue dans certains milieux, malheureusement de plus en plus restreints. Sous l'ancien régime, la noblesse était transmise par l'hérédité paternelle. C'était là, oublier que la mère donne à l'enfant autant de gêne que le père, mais la coutume complétait généralement la loi et les mésalliances étaient exceptionnelles. Certains ordres militaires se montraient plus stricts dans ce domaine et exigeaient de leurs membres au moins quatre quartiers de noblesse. Même de nos jours, les familles royales, à quelques exceptions près, s'unissent entre elles indéfiniment. Notons enfin l'histoire plus lointaine nous parle de certaines familles qui, isolées pour des raisons ethniques ou simplement biopsychiques au sein d'une population inférieure, conserveraient, grâce à une étroite consanguinité, leur qualité particulière. Ainsi les familles impériales du Pérou et en ce qui concerne la dernière dynastie d'Égypte. Le lignage. La famille peut donc se perpétuer par des unions successives totalement ou relativement consanguines et constituer ainsi un lignage qui conserve un faisceau de qualité biopsychique déterminé. Ce phénomène n'est pas le propre de telle ou telle couche sociale. Il existe des lignages ouvriers et paysans comme des lignages aristocratiques. Et la notion de mésalliance vaut à tous les niveaux de l'échelle sociale. Même si en effet, en fait, elle est souvent le résultat de préjugés, au plein sens du terme. Cette notion possède de solides bases scientifiques et répond à un danger réel de destruction du lignage. Introduire dans celui-ci un élément inconnu ou simplement étranger, c'est faire une expérience sur laquelle on ne pourra jamais revenir. Quelle sera la synthèse biopsychique qui en ressortira La prévision dans ce domaine nous est interdite tout au moins pour le moment. La conservation endogamique de la masse héréditaire traditionnelle assure, au contraire, sauf en cas de dégénérescence, l'unité dans le temps du groupe familial, physique et psychique. Dans les lignages homogènes, l'existence d'un tel type ne peut pas être mise en doute. Le langage courant lui-même l'admet lorsqu'il emploie l'expression air de famille. L'histoire nous montre des lignages d'artisans, de paysans, d'industriels, d'artistes, d'hommes d'État, de chefs de guerre, etc. Le lignage est donc un ensemble biopsychique héréditaire différencié. Dans son essence, il ne se distingue pas de la race. De même que nous avons vu les grandes races se diviser en ensembles secondaires, nous voyons maintenant ceci subdivisé en lignages. Nous saisissons mieux ainsi l'unité de la biopolitique. De même que nous comprenons mieux qu'il soit nécessaire pour instituer un ordre social organique de tenir compte non seulement des divers ensembles ethniques qui peuvent coexister au sein d'une communauté, mais encore les ensembles biopsychiques de même nature mais de gradations différentes en lesquels se divisent les ensembles raciaux homogènes. La couche sociale. Nous verrons plus loin comment se différencient les lignages. Mais il nous faut remarquer tout de suite que, sauf dans le cas d'une stricte consanguinité, ils ne se forment pas ni ne se maintiennent dans l'isolement. Les unions entre lignages de même rang, voire de même valeur, et souvent de même fonction sociale, produisent avec le temps une homogénéisation qui les unifie en un ensemble plus vaste. Telle est l'origine de l'ordre ou état de l'Ancien Régime. Sauf, bien entendu, en ce qui concerne le clergé catholique de nature différente, avec des subdivisions telles et également, mais à un moindre degré, celle de la classe contemporaine. L'ordre dans une communauté ethnique homogène peut être comparé à la caste de la communauté métissée, mais avec une différence fondamentale la caste est nécessairement fermée. Parce qu'elle est fondée sur une synthèse particulière de caractères raciaux essentiellement différenciés, que l'on ne veut pas modifier. L'ordre, au contraire, peut être ouvert aux mutants, parce que les caractères biopsychiques qui lui appartiennent en propre sont accidentellement différenciés, ce qui ne veut pas dire qu'ils soient le produit du hasard mais simplement qu'ils sont nés et peuvent encore naître de l'action du milieu. Les classes sociales modernes n'ont pas conservé intégralement la nature biopsychique des ordres. La société libérale a favorisé l'accès à la couche dirigeante d'éléments inférieurs, mais soumis, consciemment ou non, à la volonté de l'oligarchie capitaliste. Elle a permis l'élévation sociale par la fortune. En même temps, elle a rejeté dans les couches inférieures ou maintenu en elle les éléments dynamiques qu'elle jugeait dangereux en raison de leur valeur. Il n'en reste pas moins vrai, comme l'a noté fort justement Carel, que les paysans qui sont restés attachés à leur terre malgré l'appel de l'usine l'ont fait parce qu'ils possédaient les qualités et les lacunes qui les rendaient aptes à un tel mode de vie. De même, le... la manœuvre qui montre. Incapable de devenir ouvrier, qualifié, souffre indi indiscutablement d'une insuffisance organique et psychique. Tout le monde admet, en fait, même si elle est imparfaite, cette nature biopsychique des couches sociales et reconnaît l'existence de types type physiques et mentaux qui l'expriment. Il existe un type paysan, un type prolétarien, un type bourgeois, un type aristocratique, etc. Si différents les uns des autres que certains ont cru ne pouvoir les expliquer que par des origines raciales distinctes. L'origine de la stratification sociale. Telle est en particulier la thèse de Gobineau. La stratification sociale serait le produit de la conquête militaire et de la soumission des vaincus. Ainsi, en France, la noblesse procéderait des envahisseurs germains de race nordique, grand, blond et d'olichocéphale, tandis que le reste de la population serait gallo-romaine, avec prédominance numérique de l'élément alpin, petit, brun et brachycéphale. Cette explication établie sur la base du fixisme ethnique de son auteur et par analogie avec le système des castes des Indes pêche par inexactitude historique. Il est bien démontré en effet que l'aristocratie féodale française fut constituée par l'union des chefs barbares et des patriciens gallo-romains et que, par ailleurs, elle s'augmenta et se renouvela au cours des siècles grâce à d'innombrables ennoblissements. Cela ne détruit pas le fait de la suprématie sociale du type dolichocéphale et Vacher de la Pouge l'a solidement établi sur des bases statistiques. La moyenne de la taille et la proportion de haute taille, de même que celle de dolichocéphale, augmente avec le rang social. D'après ce sociologue, la raison de ce phénomène serait simplement la supériorité du type nordique qui se conserverait malgré le mélange des races et qui se concentrerait dans les couches dirigeantes dont il éliminerait, dans une certaine mesure par sélection, le type alpin. Cette interprétation ne tient pas compte de la variabilité des caractères sur lesquels Vacher de la Pouge la fonde. Nous avons aujourd'hui quelques raisons de croire que l'indice céphalique est modifié par l'action du milieu. Boas semble avoir démontré que les fils d'immigrants dolichocéphales et brachycéphales tendent à New York à la mésocéphalie. Nous savons également que la taille n'est nullement un facteur héréditaire immuable et que la vie urbaine détermine en général son augmentation. Enfin, la pouge lui-même démontre que la dépigmentation du poil et de la peau provient d'une atrophie pathologique produite par les climats froids et brumeux, et qu'elle est corrigible, bien qu'héréditaire, par le changement de conditions de vie. Il semble donc clair que la stratification sociale dépendent de facteurs accidentellement différenciés et qu'elles soient le produit d'un double mouvement des types antérieurement constitués, qui s'unissent par affinité et par capacité, et du milieu fonctionnel qui transforme, lorsque c'est nécessaire, les êtres qui reçoivent sa pression. Différenciation héréditaire et spécialisation fonctionnelle. Examinons le premier point, soit... Une société en formation, comme celle de la frontière américaine, à la fin du siècle dernier, n'allait à l'ouest que des hommes aventureux et entreprenants. Ceux qui possédaient une âme de chef, une constitution physique adéquate et... Une intelligence suffisante, groupée naturellement autour d'eux, des individus forts et courageux, mais incapables de diriger une opération contre les Indiens et de se tailler un domaine dans la prairie. D'autres intelligents, mais moins audacieux et incapables de commander, installaient des épiceries, la spécialisation fonctionnelle, dans un milieu où n'intervenait presque pas ni la fortune ni les conventions. Se fit donc sur la seule base des capacités biopsychiques, individuelles. Exactement comme au début du Moyen Âge européen. Il n'en est pas de même évidemment dans les sociétés organisées et mal organisées d'aujourd'hui. L'ordre établi pèse sur les individualités puissantes qui cherchent à s'élever, tandis qu'il maintient artificiellement des êtres inférieurs. À un niveau qui ne correspond pas à leur capacité réduite. Cependant, si nous considérons les ensembles et non plus les individus, nous constaterons qu'en général, il existe encore une concordance entre la fonction et la dotation héréditaire de qui l'exerce. Et cela se produit tout simplement parce que dans la société contemporaine, comme sur la frontière, bien qu'à un moindre degré, la fonction exige des caractères biopsychiques particuliers sous le plus égalitaire des régimes. Il n'est pas possible de faire d'un soutier un commandant de navire. La stratification sociale se fonde par conséquent sur la sélection biopsychique d'individus qui correspondent aux exigences des diverses fonctions. De ce point de vue, il est exact de dire avec Vacher de la Pouge que les couches sociales attirent les êtres d'un certain type. Variabilité héréditaire par la fonction. Ce point de vue est cependant insuffisant. Lorsque le développement de l'industrie multiplia les usines, il n'existait nul type prolétarien héréditaire qui pût servir de norme de recrutement. Les industriels allèrent chercher leurs ouvriers parmi les paysans, au type fixé par des siècles d'un mode de vie inchangé. Ils attirèrent bien sûr en premier lieu les moins capables, les moins paysans, mais bien d'autres suivirent l'exemple de ces derniers, bien qu'ils fussent parfaitement adaptés au travail de la terre. Nonobstant, nous voyons aujourd'hui une classe prolétarienne aussi différenciée que possible de la population paysanne. De même, pour en revenir à notre exemple antérieur, l'aristocratie européenne de l'Ancien Régime avait un type fort différent de celui de la bourgeoisie. Au sens propre du terme, au sein de laquelle elle se recrutait sans cesse. Vachet de la Pouge note avec raison que les chroniqueurs de l'époque décrivent toujours le seigneur médiéval comme grand, svelte et blond, alors que le vilain apparaît comme petit, boulot et brun. Les qualités mentales n'étaient bien entendu pas moins différentes. Sans doute certains anoblis étaient-ils des mutants, individuellement différenciés de leur couche d'origine. Mais la majeure partie se distinguait de leur milieu primitif que par le degré de leur qualité. Ils se montraient plus courageux, plus audacieux, plus intelligents, plus aptes au commandement et du point de vue physique moins lourds que la majorité de leurs pères. Quelques générations suffisaient avec l'aide des mariages pour incorporer les nouveaux venus à la vieille noblesse, sans que les caractères de cette dernière fussent modifiés. Le phénomène.. n'a rien de surprenant. Les anoblis et leurs descendants subissaient la pression du nouveau milieu dans lequel ils vivaient. Au lieu d'obéir, ils commandaient. Au lieu de conduire la charrue ou de manier l'outil, ils montaient à cheval et combattaient. Au lieu de se nourrir principalement de farine et de viande d'animaux domestiques, ils mangeaient du gibier et remplaçaient souvent l'eau par l'alcool. Les valeurs morales auxquelles ils étaient soumis n'étaient plus les mêmes. Leur corps et leur esprit se transformaient par adaptation à leur nouvelle existence. De paysans ou de bourgeois, ils devenaient des seigneurs. Nous saisissons ainsi le double rapport qui existe entre la fonction et le type humain. La fonction attire et... Par conséquent, sélectionne les êtres qui possèdent le type correspondant à leurs besoins. Mais le type relativement inadéquat s'adapte à la fonction et se modifie sous son influence. S'il si est exact de dire que dans une communauté d'une homogénéité encore imparfaite, les survivances ethniques constituent, comme les mutations biopsychiques, un facteur de spécialisation fonctionnelle il ne l'est pas moins d'affirmer que la fonction crée la race, c'est-à-dire forme des ensembles biopsychiques homogènes selon un processus semblable à celui dont naissent les ensembles ethniques accidentellement différenciés. Importance de la différenciation fonctionnelle. La typologie fonctionnelle des ensembles sociaux est donc relative comme celle des races. Elle repose sur la fréquence d'apparition de caractères qui ne se trouvent qu'exceptionnellement qu tous réunis en une seule personne. Il est facile, et la sociologie comme la psychologie l'ont souvent fait, de constater l'existence, non pas d'un type fonctionnel par ensemble, mais de plusieurs, ainsi que d'établir sur les bases sur des bases expérimentales les ressemblances qui se manifestent dans tel ou tel domaine entre types appartenant à des ensembles différents entre l'aristocrate et l'intellectuel de classe moyenne il peut y avoir et il y a généralement moins de différences de tel ou tel point de vue qu'entre le dit aristocrate et le haut bureau alors que celui-ci ressemble souvent plus en ce qui concerne tel ou tel caractère aux paysans KCPR. Qu'est-ce que cela signifie Simplement que chaque ordre ou classe embrasse en réalité une multiplicité de professions diverses, qui constituent des sous-catégories fonctionnelles auxquelles correspondent des types biopsychiques différents. La noblesse comprend des hommes d'État, des militaires, des diplomates, des intellectuels, des paysans. Le prolétariat des débardeurs, des mécaniciens, des graveurs, etc. Les classes moyennes sont encore plus complexes, mais certaines professions sont communes à plusieurs ordres. Des caractères communs se superposent donc à leurs caractères différenciés. On dira avec raison du hobereau c'est un paysan, mais on ne le confondra pas avec des paysans d'une extraction sociale, même infiniment plus riches que lui. En d'autres termes, le rang prime la différenciation professionnelle. Mais cette dernière n'en agit pas moins sur les divers niveaux de la stratification sociale. Il existe donc une différenciation verticale, hiérarchique et une différenciation horizontale, professionnelle, dont les effets s'additionnent. D'une manière générale, la première est la plus profonde. Il sera plus facile à un débardeur de devenir mécanicien que diplomate. De même qu'un obro de se transformer en officier qu'en laboureur. Si on doute de l'efficacité de la différenciation fonctionnelle héréditaire, que l'on se rappelle la phrase désabusée de Trotsky sur l'incapacité congénitale du prolétariat à devenir une classe dirigeante. Ou que l'on mette en parallèle quelques portraits choisis au hasard de membres de l'ancienne aristocratie russe avec les photos de quelques personnages de la bureaucratie actuelle, issus des couches inférieures de la population, sans que le temps ait encore pu faire son œuvre. La stratification biopsychique de la société est si marquée qu'elle en arrive parfois à surmonter, bien entendu sans les détruire, les différences entre grandes races. Un aristocrate japonais d'une relativement haute taille, au crâne allongé, au visage fin, aux yeux droits, Pourvu de qualité de commandement, de courage et d'honneur, et souvent plus proche, même du point de vue physique, d'un aristocrate européen que de son compatriote, que d'un type biopsychique grossier, de petite taille, aux yeux obliques et au nez camus.